Bon, on commence par Kilo en PvP. C'est vraiment bien gaze. En fait, il n'y a aucun combo à faire avec. Kilo nul. Bien gaze. Hop, spin, la même chose. Hein. Genre, en fait, Bien. c'est ni un Lugia, donc y a rien de fou. Haché. Haché. Moi, je pense que je mets bof parce que tu résistes aux épées. Du moment où il y a un type, ouais, il joue sword, hein, ouais, il pourra rarement te tuer, tu vois. Donc, bof. Moi, je mettrais dans Sarva. Non, Après, ça va, bof, c'est ouais. Parce que ça bof, c'est bien. bon, On bien guess. bon, ça va. Bon, je pense. Bof, bof. Tu peux épée, tu peux fumer, j'ai déjà testé, impossible. Spike, bof, non. Bof. Oh, ça va, ça va. Bof, on fait. Ouais, bien gay, je suis fou, moi. Non, non, par les vrais flammes. Ça va. En fait, flamme en V1, c'est bof. En V, comment dire? Pour moi, en V2, tu sky camp, tu te montes. Genre, c'est beaucoup trop fort. Surtout la V2. Genre, t'as jamais Vas-y, ça un. va, on va mettre ça va, Moi, je ça suis va. dans fort. Moi, je suis dans fort. Bon. Bon. Non, j'ai déjà testé, je te jure, c'est même fumé meilleur. C'est mon game. C'est bien gay. Bon, allez. Ice, La très V, fort. la V1, c'est dans fort, la V2, c'est bon. C'est vraiment très fort. Sable, c'est fort quand tu sais jouer. Ouais, V2, ça va. Mais c'est très Voilà. compliqué à gérer, tu vois. C'est pas facile. Ténèbres. Attends, Dark. Là, on vient parler. Dark, en V1, c'est éclaté. Je jure. En fait, en V1, tu sais rien faire. V1, c'est nul. Mais la V2, c'est trop chiant. V2, on peut mettre dans ouais, fort. J'ai quand même un doute parce que, genre, en fait, c'est très bon pour PvP, mais je sais pas. Tu le dis très fort, toi? Oh, fort, fort. Fort. Pourquoi pas très fort? Dis-moi pourquoi pas très fort. Dis-moi ses points faibles. C'est compliqué à jouer. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Pas beaucoup de dégâts. Survol. Ouais, c'est dans fort. Hop, revive. Ça va. Ouais, ça Ça va. va. Non, parce qu'en fait, il y a des choses, c'est le manque de vraie attaque. Genre, en run, c'est. En fait, ce qui est bien avec Revive, c'est que si tu joues Sword, prends-le. Genre, ça meurt pas, etc. Donc voilà. Parle un coup. Bon. Ouais, c'est bon. Bon, diamant. Bof. En fait, diamant, il n'y a pas de dégâts. Bof. C'est grave éclaté. Bon, light. V1, c'est dans Oh. fort. Mais V2, c'est pas fort. En fait, V2. En fait. J'irais pas jusqu'à dire c'est fort, mais non, très fort plutôt. J'irais pas jusqu'à dire c'est très fort, mais fort ça va. Bon. V2, je te mettrais dans fort. Toi, tu mettrais dans quoi? Dans les dents fort aussi. Fort. En fait, la V2, il faut savoir la jouer. En plus, c'est chiant. Bon, Gobber, c'est très dur à jouer. Personne ne joue. Ouais, ça va. Il Il n'y a pas de portée, non. n'y a pas de portée. C'est grave galère. Le pied gauche, en plus, il est pas fou. Peut-être non, même pas avec les swords, c'est trop chaud. Moi j'ai déjà pas eu avec, c'est pas facile. Barrière, bon. Tu poses des escaliers, tu poses des bâtiments. Bien raciste. Magma. D'accord. J'ai testé un Très truc. fort, je pense. Je pourrais me mettre en très fort moment, je me mets dans ça, parce qu'en fait maintenant c'était vraiment. Genre, en gros, imagine. Tu t'affrontes un portant, tu sauras jamais rien faire. Ou un fruit bien chiant comme un blizzard. En fait, c'est. Magma spawn, c'est un coup de p. Genre, t'arrives et tu mets les dégâts comme ça sur le coup. Genre, en fait, si le type il commence à bouger partout, jamais tu t'arriveras à le toucher. Mais je vais mettre dans fort. Parce que la V2 est très cheatée. Quake. Quake. Méga fort. Il y a fort quoi. Non, on parle pas. La V2, tu sais la jouer. C'est. Jamais testé quoi il dans le coup. Ouais, attends, viens, on va supprimer le méga fort parce que ça donne ça pue sa mère. Bon, voilà. Pour moi, Quake, c'est le même niveau de glace, mais c'est un peu. En fait, la V2 est très forte. Mais en fait, tu vois, quand on met Ténèbres là, en fait, c'est compliqué. En fait, Quake, il est bon, mais il y a quand même beaucoup de défauts. C'est pas un Lugia, c'est. Genre, c'est très limité. Et genre, en termes de déplacement aussi, c'est limité, tu vois, tu peux pas arriver, tu peux rien faire. Donc pour moi, en fait, quand tu sais jouer, c'est très fort. Quand tu sais pas jouer, c'est bien gaze. Hop, Bouddha. Ne parlons pas du. C'est pas un Bouddha. Ne parlons pas du spam. Spring. Non, love.
L'offre pour moi, c'est très fort. Être fort, là. Tu peux camper ce cas. Tu peux rester sur, voilà. Tu peux rester sur ton oiseau. Voilà, c'est très très fort. Très très bon fruit aussi. Ouais, string. Fort. En fait, il est bon, mais les seuls que j'ai affrontés. On va jamais jouer. Ben, on ne va jamais jouer. En plus, quand on affronte, genre, ils font rarement des vrais dégâts. Donc, c'est très chaud à utiliser. Donc, on fait Phoenix, on n'a pas besoin de parler. Je vais moi, je commence pas Phoenix, je l'ai remis dans Sabin. Sabin, t'es fou. Ah. Que déjà, il prend trop d'énergie. Ouais. Et en plus, Phoenix, c'est plus un fruit pour se remettre de la vie. Les attaques, elles mettent pas beaucoup de dégâts. Ouais. Juste avant de faire la vidéo, avant, et j'étais tombé sur un type. Il avait Phoenix. Et en fait, il jouait les soirs et il utilisait Phoenix pour se régénérer. Donc, en fait, moi, je mettrais dans très fort quand tu sais le jouer. Mais, très là, fort pour se régénérer. Ouais, mon portal, pas besoin de parler. Et certainement pas dans Gold. Ouais. Dans le Gold, hein, ouais. Ouais, mais Portal, on n'a pas parlé de Portal, toi aussi. Portal. Portal, en fait, le Portal, regarde, on va juger. Savoir le jouer. Ouais, déjà, la première attaque, elle est, ça va. En fait, la première attaque, tu peux stun, le petit peu de rien faire. La deuxième, c'est tu peux skill avec. La troisième, c'est tu TP, mais ça peut. En fait, toutes les attaques, en fait, c'est vraiment une stratégie. Moi, j'utilise la troisième attaque pour me TP quelque part. Et je pré-shot une attaque, ainsi le type, je fais déjà des dégâts. C'est la Mastery Song, j'arrive pas à l'utiliser. C'est pour ça, genre, la Mastery Song, je vais plus l'utiliser, je vais mettre là-dedans. Mais... Bon. Hop. Rumble, bon, Goat, c'est que ça part. Rumble, on joue avec le fusil acide et avec la canne. Pau, avant, il était fort utilisé. Ça va, maintenant, je pense. Moi, je vais très dans le fort. Quand tu sais jouer, ça devient très fort. Mais. On va le mettre dans sa main. Bizarre. Mais très fort. Là, c'est quoi le défaut de Pau? Parce que. Il n'y a pas. Pau, c'est pas assez. Les attaques, ouais, elles sont bien peut-être à mettre beaucoup de dégâts, mais elles sont trop dures à placer. Ouais, c'est vrai. Bon. Voilà. Bizarre. Est-ce que moi, je mettrais. Attends, de mettre côte. Hein. Ah non, on va mettre très fort. Parce que je vais pas te mentir. La première attaque. En fait, on peut résumer comme ça. T'es obligé de placer la dernière attaque pour savoir placer la troisième, la deuxième et la première. C'est comme contrôle, quoi. Voilà. En fait, tant que tu fais pas le bizarre, tu ne pourras jamais rien faire. À part, tu vois la troisième. C'est comme la photo de Rumble, à part que c'est de la neige. Genre la troisième, elle va encore la première et la deuxième, tu sais rien faire avec. La deuxième, c'est un petit blizzard qui fonce, c'est bien gaze. La deuxième, en fait, quand le type il stoppe dans ton truc. Genre, oui, tu as le one shot, mais sinon, non, c'est bof. Hein. Genre, c'est très fort quand c'est joué. Mais il y a, genre, faut utiliser la dernière, tu vois, la dernière attaque. En plus, c'est celle qui prend plus de temps à charger. Gravité, quand tu sais jouer. Je mets dans fort. Gravité, quand tu sais jouer. Non, fort, parce qu'il y a quand même beaucoup de défauts. Doug, Goat. Même si t'es en fait Doug, c'est. Si c'est vraiment spam, mais c'est quand même Goat. Ben ouais. Mais en fait, comment dire, tout. Pour. Comment ça s'appelle. Pour résumer, quand t'es nul, tu viens fort avec. En fait, c'est. Ouais, comme Léopard. Ouais, ouais, ouais. Genre, automatiquement, tu deviens plus fort. En fait, les attaques, elles sont tellement faciles à placer. Tu vois, c'est pas comme un portable ou comme Shadow. Eh ben, Shadow, pour moi, je suis pas dans le Goat. Ouais, très fort. Il faut le truc d'obscurité, je sais pas, c'est grave. C'est grave un problème, tu vois. Donc, c'est chiant. Non, après, c'est bon. Hein. J'ai déjà payé des Shadows, j'ai jamais testé. Moi aussi, ouais, j'ai déjà payé des Shadows. J'ai déjà vu des gens, même, qui filent à des tests. C'est bon, mais c'est quand même à savoir jouer. Et. Il y a le truc d'obscurité aussi qui fait chier, donc voilà. Bon, Venom, pour moi, dans Goat. Ah, Goat aussi. Venom, n'en parle pas, une attaque trop chiante. Imagine Venom plus fusil acide, plus une sorte bien chiante. Mais bonne chance. Très fort, surtout la transformation impossible. Surtout quand, en fait, le problème de Venom, le point fort, c'est quand tu te pépé dans une petite zone. Là, tu meurs automatiquement. C'est très bon, voilà. Voilà. Contrôle. Fort. Pour moi, c'est fort.
Ah, parce que c'est dur à jouer. C'est dur à jouer, donc il n'y a pas la voir que c'est grave chaud. Là, il y a la dernière attaque. Et en fait, c'est pour moi, contrôle, il faut jouer soit dans une grande zone ou dans une petite. Genre, il faut pas jouer contrôle dans une zone où il y a plein de montagnes, etc. Dans un terrain plat. Quoi. Parce que peut-être dans One Piece. Dans les airs. Ouais, voilà. Peut-être, tu vois, peut-être dans One Piece, c'est grave fort dans une forêt, dans je sais pas quoi, parce que t'as plein d'arbres et tout, mais dans l'arbre, tu peux rien prendre. Mais après, dans One Piece, c'est pas pareil. Là où il met des dégâts avec son épée, il met des dégâts avec son épée, il met des dégâts avec tout. La dernière attaque, elle grave cheatée, genre tu bondis partout et tu prends tout le monde et puis tu vas mettre un coup critique, c'est grave fort. Bon, spirit pour moi. Genre, j'ai joué avec, je peux te dire que ce fruit, je pourrais le mettre dans d'autres, mais il faut quand même savoir le jouer. Très fort. Genre, en fait, c'est pas... genre, tu peux faire un combo rien qu'avec ses attaques, t'es pas attaquant en soi. Tu peux glacer des ennemis deux fois avec deux attaques différentes. Tu peux attaquer de feu avec, comment dire, avec deux autres attaques. Surtout la dernière, c'est un gros camion. Comment dire, t'as les spirits qui sont invisibles, les spirits, oh, rien que les spirits avec ça. Non, pas besoin de parler. Bah, moi je suis très très fort. T'es une blague? Non, regarde. Regarde. Oui, la première attaque est très forte. La deuxième, il faut savoir la placer parce que c'est pas facile. La troisième, elle est grave chiante, ça je peux. D'accord avec toi. La transformation, c'est le plus grand. En fait, la transformation est très forte, mais si tu tombes sur, je sais pas, un love, jamais t'arriveras à prendre l'avantage. Parce qu'il va toujours avoir l'avantage du vol, surtout. En light. Ouais, mais tu peux pas mettre Spirit dans Goop sans mettre Dragon. C'est vrai, c'est vrai. Mais je recommande la transformation, c'est à utiliser en deux cas. Soit t'es grave mal, soit pour terminer quelqu'un. Léopard. Soit t'es un rat. Hop, léopard, on va le faire dégager. Hop, il est plus là, léopard. Non, léopard. Léopard, c'est au-dessus de Goop. Attends.